c'est d'alterner des séances de sport et des activités culturelles. Moi, c'est quand même des publics que je vois très régulièrement, avec lesquels j'ai travaillé. Principalement l'activité sportive, là, elle est là pour leur permettre de comprendre comment elles peuvent elles-mêmes être autonomes sur leur activité physique, qu'elles peuvent également l'intégrer finalement dans leur journée, que ça n'a pas d'incidence dans la vie de famille, ni même dans la gestion des enfants, ni dans le quotidien. Par contre, il faut en effet s'organiser. Et ensuite, leur donner la possibilité d'accéder à ces pratiques, c'est se dire que c'est accessible en bas de chez elles, c'est accessible en groupe, c'est-à-dire que là, elles vont commencer à connaître des personnes, elles vont commencer à créer des dynamiques, un réseau, qu'elles peuvent le faire en groupe. Et puis que finalement, toutes les activités ne sont pas forcément dans un club. On ne pratique pas, on ne prend pas soin de soi forcément dans un club. On peut aussi prendre le temps de s'occuper de soi en marchant, en faisant un petit peu de renforcement musculaire ou des activités plus toniques, comme on vient de le voir. C'est ce que vous allez leur apprendre, des gestes qu'elles vont pouvoir reproduire en groupe, toutes seules. Alors aujourd'hui, c'était un peu plus sympa, c'était la boxe. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elles vont faire forcément en bas de leur quartier. Pour autant, il y a des clubs qui sont accessibles pour les femmes. Et puis ensuite, demain, ça sera plus de la randonnée avec un circuit training. Un circuit training, ça veut dire qu'on fait du renforcement musculaire et des exercices cardio. Donc ça, elles peuvent très bien le faire sur un stade, utiliser même des balançoires pour le faire. Enfin, on peut utiliser des bancs, des marches. C'est des choses que l'on peut faire avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire que ça coûte pas cher. Exactement, c'est complètement accessible. La pratique sportive n'est pas réservée qu'à une partie de la population. Et du coup, quand on est mieux dans son corps, peut-être aussi on s'occupe peut-être mieux de ses enfants. Alors, elles prennent soin d'elles. Donc, elles sont en effet psychologiquement, on sait très bien que le sport, ça permet de sécréter les hormones du bien-être. Donc déjà, elles s'occupent d'elles, elles vont mieux psychologiquement. Et puis physiquement, elles vont mieux aussi, hein, parce que l'idée, c'est aussi de reculer certaines maladies, de faire de la prévention par rapport à la maladie, des problèmes cardiaques, ça peut être des problèmes articulaires, toutes sortes de problèmes pour lesquels le sport est utile. Merci.